J'ai évoqué le fait que quand il y avait des éruptions solaires, il y avait accélération de particules jusqu'à des vitesses relativistes. Mais il se passe la même chose dans les disruptions. Et on a prévu dans ITER des intensités de courants disruptifs de 11 millions d'ampères. Donc ce sont des courants d'électrons qui ont des énergies entre 10 et 20 mégaélectronvolts. C'est-à-dire qu'ils ont des vitesses qui font de l'ordre de 99% de la vitesse de la lumière. Et je vous donne un chiffre que j'ai vérifié. La profondeur de pénétration de tels électrons dans une couche de béryllium est de 3,5 cm. Et là encore un chiffre que j'ai obtenu la semaine dernière de Pudvinsky. L'épaisseur de béryllium qui est prévue pour ITER, c'est 1 cm. Alors s'il y a une disruption qui est capable de pénétrer 3,5 cm, on le sait, qu'est-ce qu'on va faire avec cette couche d'un centimètre? Et puis Pudvinsky m'a dit, oui, mais les électrons accélérés, ils arrivent tangentiellement. Et je lui ai dit, mais regardez les photographies qu'on a faites sur JET, ce sont des cratères, ça ne ressemble pas du tout à des impacts tangentiels. Là, il n'y a pas eu de réponse. Donc vous voyez, là-dedans, nous sommes face à un fou artistique absolument extraordinaire. Mais tout ce que vous trouvez dans la nature, vous le retrouvez dans un tokamak. Hein. Et simplement, c'est naturel, c'est normal, parce que vous avez de l'énergie, et ce système essaye d'éjecter cette énergie à l'extérieur. Et il cherche tous les moyens possibles pour y arriver. Donc autrement dit, avoir un tokamak. Et alors même, ce que diront des spécialistes, c'est que on peut trouver un domaine de fonctionnement qui ait plus de chances d'être stable, mais à ce moment-là, on ne tire plus d'énergie. C'est-à-dire, plus on veut avoir d'énergie, plus c'est instable, c'est tout. Donc, c'est ça qui fait conclure à Rebu que lui, il est très sceptique sur le fait qu'on arrive à tirer de l'énergie d'ici la fin du siècle. Alors, est-il raisonnable d'engager des sommes pareilles dans une expérience qu'on présente comme étant la préfiguration d'un générateur qui n'existera peut-être jamais? Et puis Pudvinsky, qui était monsieur disruption, il s'en va au mois de juin, au mois de juin 2012. Hein, il quitte parce que, vraisemblablement, on lui a posé la question « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et il a recommandé des mesures, et ça coûtait trop cher, ou c'était techniquement infaisable. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire quand une disruption se produit? On injecte du gaz froid, de l'hélium, de l'argon, des gaz rares. Malheureusement, quand on injecte le gaz dans la chambre, il s'ionise. Et vous savez que le gaz ionisé, il ne peut pas passer au travers des lignes de champ magnétique. Donc, regardez cette photo, on voit ça très bien. Le gaz est arrêté par une surface, et il ne peut pas franchir plus du tiers ou du quart du rayon, ce n'est pas possible. Et Pudvinsky me disait que dans ITER, on pensait qu'on arriverait à 50 cm. 50 cm sur une machine qui fait 5 mètres de rayon, quoi. Donc autrement dit, il faudrait mettre une couche de gaz autour pour refroidir. Et en plus, pour arriver à tapisser ce tokamak avec du gaz froid, il faudrait des dizaines de millisecondes. C'est beaucoup trop long. Et ensuite, il faudrait plein de trous. Alors si on a dit qu'il faudrait faire 25 ou 40 trous dans la paroi, c'est pas possible, il n'y en a que deux. Il n'est pas prévu. Il faudrait tout recommencer. Il faudrait refaire les plans. C'est des choses qu'on n'avait pas prévues. Et en fait, je dirais que le sentiment général, c'est que les gens, même les gens qui étaient au cœur des problèmes techniques, ont sous-estimé l'ampleur des problèmes. Et lorsque vous êtes au sein de ce genre de choses, le type qui s'occupe des bobines supraconductrices, il connaît rien aux instabilités, le gars qui s'occupe de la stabilité, il connaît rien aux injecteurs de neutres, le type qui injecte des neutres, il connaît rien, etc. Ils ont chacun leur petit truc, il n'y a qu'un bonhomme comme Rebu qui pouvait couvrir l'ensemble, quoi. Et il faut un capitaine, c'est un vaisseau sans capitaine, qui n'a que des matelots, quoi. Et c'était signalé par... l'article de Scientific American, où le journaliste disait qu'il avait interviewé un type qui travaillait dans l'équipe, et il disait, je sors d'une réunion, les Coréens disaient, il faudrait mettre le tuyau à droite, les Russes disaient, il faudrait mettre le tuyau à gauche, et à ce moment-là, moi j'ai dit à Motojima, qui a pris la suite d'Ikeda en tant que directeur, est-ce que vous ne pourriez pas prendre une décision là-dessus? Et Motojima a répondu, vous comprenez, si je prends une diffusion, j'ai l'impression de faire preuve d'autoritarisme, je préfère laisser faire. Alors, ils sont en pleine démocratie, quoi. C'est une catastrophe. Et c'est vrai qu'on connaît des projets comme ça. Rebu, par exemple, avait coutume de dire, j'aime beaucoup travailler en équipe à condition que ce soit moi qui commande, quoi. Et c'est ça. Et je crois que dans un projet comme ça, s'il n'y a pas un grand capitaine derrière, c'est foutu. Ce qui fait que le fait de répéter qu'il y a 7 pays qui font ceci, qu'il y a 35 pays qui font cela, ça n'est pas
comment dire, c'est pas un atout, c'est plutôt un handicap. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il faut prendre une décision, il faut réunir tout le monde. C'est d'une lourdeur absolument inimaginable. Les Américains ne croient pas à ces machines géantes, quoi. Je veux dire que, et dès le départ, ils se sont prononcés contre cette politique de gigantisme. Et je veux dire que ça a été compris par les Européens comme un défi. C'est-à-dire que, comme écrivent Arnoux et Jacquinot dans leur livre, ils citent une phrase en américain qui est « si vous ne pouvez pas commander, tuez ». C'est-à-dire, si dans ce projet vous ne pouvez pas être les patrons, foutez-le par terre, quoi. Et l'impression des Occidentaux, des Européens, devant l'attitude des Américains, c'est que comme ils ne pouvaient pas être majoritaires dans ce projet, à ce moment-là, ils préféraient lutter contre. Alors qu'en fait, c'était des arguments scientifiques. Et moi, je vous assure, je peux vraiment pas passer pour un pro-américain. Enfin, franchement, tout le monde le sait. C'est plutôt le contraire. Mais là, franchement, ils ont raison, quoi. Je crois que... alors, à ce moment-là, évidemment, il y a des gens qui diront, mais on est allé trop loin, on est obligé de continuer. Ce qui fait que maintenant, on minimise les coûts. Ben, ce que j'ai entendu dans une conférence, c'est, vous savez, le prolongement de la ligne du TGV de Marseille à Nice coûterait 15 milliards d'euros. Alors, vous n'allez pas nous embêter avec ça. Bon, je veux bien, mais on est quand même dans une période où on cherche de l'argent, où il y a des gens qui sont plus sur la porte, où il y a des sociétés qui ferment, et on va dire, bon, vous n'allez pas nous faire toute une histoire pour 15 petits milliards d'euros, quoi. Enfin, regardez, c'est rien du tout. C'est pas un argument, c'est pas possible, des choses pareilles. Et puis alors, ce projet est présenté comme la physique du troisième millénaire. Ben non, justement, c'est pas ça. Il faut savoir une chose, c'est que si vous lisez le livre de Arnoux et Jacquinot, la seconde partie est très intéressante parce qu'elle vous explique la jeunesse politique de ce projet, comment les choses se sont faites. En fait, après une extrapolation de résultats obtenus sur le jet, une espèce de chimère a commencé à voir le jour, et puis cette chimère, c'est un peu comme une hydre qui a plusieurs têtes, quoi. Elle s'est débarrassée de ses concepteurs, elle s'est débarrassée de Rebut, elle s'est débarrassée d'Aymar, et maintenant elle n'a pas de tête, quoi. Donc c'est une chimère, et cette chimère traîne derrière elle des problèmes non résolus en quantité industrielle, et il y a un personnage qui a joué un rôle là-dedans, qui est René Pollard, qui est mort maintenant. Lui, il a un petit peu emporté le morceau, je ne sais plus vers quelle année, en faisant un discours vibrant qui s'adressait à ce moment-là aux élus locaux. Les élus locaux, il faut comprendre qu'ITER, ça intéresse quatre départements. Ça intéresse les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et les Alpes de Haute-Provence. Et Pollard s'est adressé aux représentants de toutes les instances locales en disant, si vous ne mettez pas la main à la poche, ça ne marchera pas, le projet est foutu. Et tout le monde y est allé, y compris la communauté du Pays d'Aix, enfin des structures comme celle-là, le conseil régional, le conseil général, ça représente 450 millions d'euros, un demi-milliard d'euros comme ça, boum. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est des investissements, c'est une école multilangue pour les différents pays, c'est des infrastructures, très bien, mais c'est quand même beaucoup d'argent lâché pour des choses qui peuvent peut-être, à un moment, pas servir à grand-chose d'autre, quoi. Donc, ces collectivités locales, on leur a fait miroiter des emplois en retour, en grossissant les chiffres de façon phénoménale. Et là, maintenant, elle commence un peu à déchanter parce qu'elle s'aperçoit que les contrats, ils atterrissent plutôt en dehors de France, quoi. Que peut-être aussi les emplois vont faire appel à beaucoup de sous-traitance. Donc là, il y a une réaction de ces instances qui disent on ne peut pas arrêter le projet parce que si on l'arrêtait, alors on aurait flanqué tout ce fric là-dedans pour rien, quoi. Ensuite, eh ben, il y a les gens qui ne veulent pas arrêter le projet parce qu'ils sont pris dans cette mécanique, ils fabriquent des composants, qui va payer, quoi. Je veux dire que il y a des pays qui
qui contribuent en donnant de l'argent, mais surtout c'est des contributions en nature. L'un fabrique ceci, l'autre fabrique cela. Il y en a un qui pourrait dire, qu'est-ce que je vais faire de mes enroulements supraconducteurs? Qu'est-ce que je vais faire de mon système de chauffage par neutre si on arrête tout, quoi? Donc là, on est dans l'inextricable, quoi. C'est kafkaïen, un truc pareil. Alors, la solution, ça consiste à se donner un horizon temporel tellement lointain que ça n'a pas d'importance, en se disant que la physique ne va pas changer d'ici là. Et ça, c'est vraiment très risqué. Il y a des outsiders. Et en 2006, apparaît un article sur lequel j'ai tout de suite accroché, dans Physical Review Letters, qui est sur la Z-machine. Et cet article était appuyé sur un papier fait par un de mes amis qui s'appelle Malcolm Hines, qui est un Anglais, qui est un des meilleurs spécialistes de physique des plasmas, y compris des plasmas de fusion. Hines, c'est plasma, petite catégorie. Il a le même âge que moi. Et le papier, une partie du titre s'intitulait « Over 2 billions degrees », c'est-à-dire plus de 2 milliards de degrés. Et en fait, quand on regarde le papier en détail, on a réalisé une compression MHD qui a permis de montrer jusqu'à 3,7 milliards de degrés. Je dis bien milliards, c'est pas des millions. Et lorsque cet article est sorti, il y a eu des... Je ne vais pas citer de noms parce que justement, j'ai pas envie de faire des attaques à hominem dans ce genre de choses. Mais il y a des professeurs de physique des plasmas à l'école polytechnique, des gens très connus qui ont dit « c'est faux, ça marche pas, j'y crois pas, ce sont des points chauds, c'est impossible qu'on ait réalisé une température pareille ». Et moi j'ai suivi cette histoire-là en allant à un colloque sur les hautes puissances pulsées à Vilnius en Lituanie en 2008. Et là, j'ai entendu les Américains nier leurs propres résultats. Alors après, je vous expliquerai pourquoi tout ça s'est fait. Ensuite, je suis allé en 2010 en Corée, à un colloque de physique des plasmas. À chaque fois, j'ai présenté un travail à la fois théorique et expérimental qu'on avait fait avec des gens, avec de l'argent donné par des internautes. Bon, je suis toujours actif dans ce domaine-là. Évidemment, c'est pas la même physique des plasmas. Et là encore, les Américains niaient cette histoire. Et puis en 2011, je suis allé à un colloque à Biarritz, et là Malcolm Hines a confirmé haut la main et brillamment son analyse. Je vais vous en parler tout à l'heure parce que ça vaut vraiment le coup. Et il y avait un Russe qui s'appelle Smirnov, et Smirnov est directeur du département fusion de l'Institut des hautes températures de Kurchatov de Moscou. Et il m'a dit, en Russie, on est en train de s'attaquer, et même de terminer une machine qui donnera 50 millions d'ampères, et en 150 nanosecondes. Donc c'était une confirmation que cette histoire-là était très importante. Et là, maintenant, on a des publications, des articles qui décrivent cette machine qui porte un nom. Elle s'appelle Baïkal, comme le lac du même nom. L'intensité sera entre 40 et 60 millions d'ampères. Le temps de décharge sera effectivement, comme avait dit Smirnov, de 150 nanosecondes. Et disons que les calculs théoriques basés sur l'équation de Bennett indiquent qu'avec une machine comme ça, on devrait pouvoir atteindre 50 milliards de degrés. 50 milliards de degrés. Donc, vous voyez, ce genre de choses-là, ça représente un changement, une nouvelle physique des plasmas chauds. Avant, on essayait de faire 100 millions, 150 millions, 200 millions de degrés. Là, on n'est pas à un milliard près. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui plus est, quand on essaye de franchir ces seuils de température, c'est le premier pas, c'est pas le seul, mais c'est le premier pas à franchir pour avoir des chances que telle ou telle réaction se produise. Par exemple, quand on visait la réaction de deutérium-tritium, il fallait minimum 100 millions de degrés. Lorsque les tokamaks faisaient 20 millions de degrés, c'était encourageant, mais ça, c'était pas suffisant, ça pouvait pas marcher. Il fallait atteindre au moins ce seuil. Puis après, il faut que les conditions de Lawson soient satisfaites, il faut avoir suffisamment de temps de confinement, suffisamment de densité, etc. C'est vrai que c'est pas gagné, mais il faut au moins la température. Si on n'a pas la température, c'est foutu. Et
là-dedans, il y a une température qui est très intéressante. C'est la température seuil de la fusion bore-hydrogène. Bore, c'est 11 nucléons, et l'hydrogène, c'est l'hydrogène léger H1. Donc 11 et 1, 12, ça fait 3 hélium. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on sait qu'on peut prendre du bore et de l'hydrogène, fusionner et faire 3 hélium. Et ça, c'est une fusion aneutronique, il n'y a pas de neutrons. Or, on sait que dans la fusion de tritium-tritium, ça donne de l'hélium et un neutron. Et c'est ce neutron qui est embêtant, c'est ce neutron qui va activer les structures, qui va les rendre radioactives, dont il faut se protéger, etc. Là, on a une fusion qui ne donne pas de neutrons. Bien sûr, il y a des critiques qui diront il y a quand même des neutrons et des réactions secondaires. Oui, mais ils sont infimes et on peut s'en protéger parce qu'ils n'ont pas une énergie considérable. Ce sont des réactions complètement secondaires. Disons que cette fusion aneutronique, ça constitue un espoir pour l'humanité, parce que le bore hydrogène, alors il y en a un pagaille, c'est pas ça qui manque. Et alors, s'il fallait faire 1 milliard de degrés, on avait déjà 3,7 milliards de degrés en 2005, publié en 2006, puis les Américains sont passés de 16 millions d'ampères à 26 millions d'ampères, et lorsque j'ai vu Malcolm Heinz à Biarritz, il m'a dit, je suis d'accord avec toi, ils ont dû faire 8 milliards de degrés, mais ils ne le diront jamais à cause des aspects défense. Bon, ok, mais ça fait 8 milliards de degrés. Et la machine russe, c'est 50. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire où on a une espèce d'escalade en température, ça semble complètement illimité. Là, je vais vous donner une explication qui est assez amusante. Dans les machines à fusion comme les tokamak, la plaie, c'est les instabilités. Et dans les aides-machines, ce qui aide, ce sont les instabilités. C'est-à-dire qu'on pourrait résumer ça en disant que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout démarre en 76 avec un type que je connais bien, que j'ai été voir à l'époque, qui est Gérald Jonas. Gérald Jonas travaillait au laboratoire Sandia près d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et à l'époque, on essayait de faire la fusion. Et c'est vrai que moi, j'ai été un des premiers Français à voir les lasers d'un terawatt de Livermore. Hein. Et donc, la fusion par laser commençait, les essais commençaient à Livermore. Quand je suis allé en 76 à Livermore, les Américains avaient fait un système avec deux lasers qui s'appelait Janus. Cyclops, c'était un seul, Janus, il y en avait deux. Et à côté, on construisait un système à 24 lasers qui s'appelle Shiva. Shiva, c'est la déesse avec plein de bras, quoi. Et vous savez que à côté de ça, on a le laser mégajoule avec, je ne sais pas, 120 lasers, il y a le système NIF, etc. Donc, ça, c'est constitue la filière de la fusion par confinement inertiel. Confinement inertiel, on a une sphère dans laquelle il y a un mélange de fusion, en l'occurrence de tritium-tritium, et puis autour, il y a une couche qui est un pousseur, et on envoie de l'énergie, ce truc-là se dilate, et il y a une dilatation vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc vers l'intérieur, il y a compression de ce milieu liquide, et il faut, pour que la fusion se produise, réduire le rayon de la sphère d'un facteur 10, c'est-à-dire augmenter la densité d'un facteur 1000. Et quand on comprime un liquide comme ça, eh bien, on a une température absolument fantastique. En plus, les atomes sont beaucoup plus près les uns des autres, ce qui fait que la fusion peut se produire sans qu'il y ait de confinement autre qu'inertiel. C'est-à-dire qu'avant que la petite pastille éclatée se soit dissipée, la fusion s'est produite. Mais finalement, que ce soit sur le NIF, mégajoule, etc., on se heurte au même problème qu'en 76. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à obtenir une compression uniforme du système. Hein. C'est comme si vous essayiez de comprimer de la pâte à modeler avec votre main. Il y a toujours une partie qui va foutre le camp. Et même quand on fait des simulations, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à avoir cette compression sphérique. Alors effectivement, est-ce qu'on arrive à résoudre le problème avec un système qui s'appelle Holmrom, le système du four, on ne sait pas. Mais la Z-machine a fait émerger tout d'un coup une nouvelle technologie, une nouvelle solution de confinement inertiel par compression MHD. Alors je dis, on revient à la machine de Jonas, que Jonas fabrique en 76. Il fabrique une grosse machine de 30 mètres de diamètre qui a la forme d'un camembert avec plein de cellules qui produisent du courant électrique
Et il essaye avec ça de faire la fusion par faisceau d'électrons. Moi, je me rappelle, quand j'avais été le voir, il essayait de focaliser ses faisceaux électroniques sur une cible, et il me disait, j'arrive pas à obtenir une focalisation meilleure qu'un œuf de poule. Donc il aurait bien voulu focaliser ça sur la grain de riz, malheureusement c'était un œuf de poule, ça marchait pas. Et malgré tout, et c'est normal qu'il n'arrive pas à focaliser, parce qu'imaginez un faisceau d'électrons, les électrons se repoussent. Donc c'est un peu contre nature d'essayer d'espérer les focaliser sur un grain de riz. Il marche pas, quoi. Donc, Jonas a dit la fusion pour 1880, la fusion pour 85, la fusion pour 90. Puis au bout d'un certain temps, tout le monde a dit, bon, ça va, on a compris. Alors, s'il dit, zut, comment est-ce que je peux faire pour récupérer ma machine et la recycler? Et à ce moment-là, il a une idée en disant, on va trouver une application militaire. Les militaires ont des ogives nucléaires. Ces ogives nucléaires, eh bien, on s'en défend grâce à des armes antimissiles. Et ces armes antimissiles, c'est des bombes atomiques qu'on fait exploser dans le vide interspatial. Et à ce moment, ça émet des bouffées de rayons X terribles. Et à ce moment, ça peut griller les ogives. Donc, si je sais fabriquer une source de rayons X très puissante, ça intéresserait les militaires. Alors l'idée à ce moment-là, ça consistait à prendre un cylindre et ce cylindre, on fait circuler le courant selon les génératrices et n'importe quel étudiant en sciences vous dira qu'à ce moment-là, il y a un champ magnétique qui fait que ça se comprime. Voilà, seulement ça se comprime très mal. J'espère trouver une photo de ce truc-là. Si je la trouve pas tout de suite, je la trouverai après, il n'y a pas de problème. Mais il y a une photo, justement, qui montre ce genre de cylindre qu'on essaye de comprimer. C'est misérable. C'est-à-dire que, je peux vous dire sans exagérer, que quand on essaye ce type de compression, c'est comme si vous preniez le cylindre en carton qui est au centre de votre roule de papier de cabinet, et vous essayez de le comprimer dans la main, vous obtenez, c'est pas une mine de crayon, vous obtenez n'importe quoi. Bon, et voilà. Et pourquoi? Parce que le courant circule azimutalement, il y a des instabilités imaginées épouvantables. Et ça, ça fait 50 ans et plus qu'on le sait, donc on abandonne. Puis à un moment, Smirnov, le directeur du département fusion de Kurchatov, a une idée et il dit, pourquoi on ne remplacerait pas le cylindre par des fils? Et à ce moment-là, Jonas dit, bonne idée, et il remplace son cylindre par 240 fils. Et on obtient à ce moment-là, ils appellent ça un liner, on obtient un liner à fils avec des fils qui ont exactement le diamètre d'un cheveu et il y a 70 000 ampères par fil. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, j'ai un fil et puis évidemment, il va se transformer en plasma. Il y a un truc amusant, j'ai encore lu ça dans un article, le journaliste n'a pas compris, il se dit, ça se transforme en ça. Non, justement, comme la décharge est très rapide, c'est 100 nanosecondes. 100 nanosecondes, c'est équivalent à un courant variable de 10 MHz. Or, on sait que les courants haute fréquence, ça ne circule pas dans les conducteurs, mais un peu à l'extérieur. Il y a une profondeur de pénétration. Et ça, personne n'y avait pensé. Ça vous montre une chose, quelquefois, c'est que les grandes avancées scientifiques, c'est du hasard. C'est pas dû au fait qu'il y ait 35 pays qui se mettent sur le coup, c'est le hasard complet. Donc à ce moment-là, on n'avait pas pensé à ça, mais en ayant une décharge qui est aussi rapide, le courant a circulé à l'extérieur des fils. Donc à ce moment-là, c'est l'extérieur qui s'est sublimé. Ils sont restés filiformes très longtemps. Et comme ils sont restés filiformes très longtemps, on a obtenu une compression très forte. On ne s'en est pas aperçu tout de suite, parce qu'au départ, Jonas, qui n'y croyait pas, mettait simplement au centre de cette cage un cylindre en polystyrène de 2 cm de diamètre, en matériau léger. Et à ce moment-là, en le comprimant, il obtenait des rayons X. Et il obtenait des terawatts de rayons X, il était content. À ce moment-là, il disait aux militaires, voilà, regardez, je fais des pètes de rayons X extraordinaires. Alors, la machine n'avait absolument rien de secret. C'est-à-dire qu'en dehors du jour où les militaires venaient avec leurs ogives, c'était vraiment un truc où on rentrait, où on sortait comme on voulait. Puis alors, une fois par semaine, un militaire arrivait avec une ogive dans une valise. À ce moment-là, on fermait les rideaux, on fermait tout, et on faisait des expériences, quoi. C'était des trucs en secret défense. Autrement, c'était pas en secret défense du tout. Et puis, un jour, un de ses élèves, je crois que c'est Dinet qui avait ça, il a enlevé le cylindre pour voir. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc étonnant, c'est que la cage à fil a donné un truc qui fait exactement la mine de crayon, 1,5 mm de diamètre. Et à ce moment-là, le calcul indique que la température devait faire plusieurs milliards de degrés. Alors, petit coup d'œil en passant aux gens qui connaissent un peu la physique, quand on fait passer 16 millions d'ampères dans une mine de crayon, on sait exactement le champ magnétique qui est autour. Et quand on connaît le champ magnétique, on fait B2 sur 2,0, on a la pression magnétique. Et cette pression magnétique, dans la mesure justement
où la mine de crayon passe par un rayon minimum et après rentre en expansion, il y a un moment où les deux choses sont en équilibre, donc il faut nécessairement une pression qui correspond NKT à des milliards de degrés. Léna, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Faites-moi des mesures. Alors, ils font des mesures par élargissement de ray, voilà le diagramme qu'on obtient. Vous savez que dans l'élargissement de ray, on a un milieu qui est à haute température, donc ça veut dire que les particules sont agitées, et par effet Doppler, quand elles se rapprochent ou qu'elles s'éloignent, la lumière qu'elles émettent, le rayonnement est un peu plus rouge ou un peu plus bleu, ça glisse, donc ça élargit les raies. Mais dans l'élargissement de raies, normalement, les gens regardent ça carrément à la loupe si c'est pas au microscope. Là, on obtient le Fujiyama, quoi, des montagnes, comme ça. Et on fait le calcul, crac, on retombe sur les milliards de degrés. Alors, il n'y avait pas que ça. Là, c'est encore le coup le plus fumant. C'est que quand on prend ces tiges qui se précipitent les unes contre les autres, en 100 milliardièmes de seconde, quand elles arrivent en collision, à l'époque, elles sont à 600 km seconde. Donc à ce moment-là, ça veut dire que l'énergie cinétique, c'est 1,5 de MV2. Celle des ions, par exemple. M, c'est la masse des ions. 1,5 de MV2. Donc à ce moment-là, tout ça, ça se collisionne gentiment au centre. Ça donne de la température, et on a 1,5 de MV2 égale 3,5 KT, ça se transforme en température. Donc à ce moment, on fait le calcul, et qu'est-ce qu'on trouve? Le quart ou le cinquième de la température qu'on mesure. Alors à ce moment-là, Yannas dit, d'où vient l'énergie? Et il dit, envoyez ça à Malcolm Heights, moi je vais me faire entendre parler. C'est un cauchemar, ce truc. Il va trouver le bug. Et Malcolm Heights se plonge là-dedans, et il comprend d'où ça vient. Et là, c'est une découverte fantastique. C'est que, comme on a parlé plasma, on a parlé effet Joule. L'effet Joule, effectivement, quand il y a des électrons qui circulent dans un conducteur, ils entrent en contact, en collision avec les ions. Et ça communique de l'énergie. Bon, c'est ça qui fait qu'on se brûle en touchant un fil électrique, ou que le plasma d'un tokamak chauffe, etc. Mais c'est aussi ce qui fait que le cordon de plasma se met à chauffer. Et à ce moment-là, la question, c'est est-ce que ça pourrait être l'effet Joule? Alors, à ce moment-là, on sait calculer l'effet Joule, mais on retombe sur le même problème que dans les tokamaks, c'est-à-dire que les électrons vont tellement vite que les ions maigrissent. Donc, à ce moment-là, l'interaction entre les électrons et les ions n'est pas suffisante, et il faudrait 8 millièmes de seconde pour chauffer ça, alors que ça chauffe en 2 milliardièmes de seconde. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, Malcolm Heinz montre avec de la théorie pure, pas des simulations. Vous savez, c'est une vieille école. Il joue encore avec des équations différentielles. Mais quand on va dans un congrès et qu'on fait ça au tableau, les gens disent « Ah, vous ne faites pas de simulation ? Non, non, j'ai pas d'ordinateur, j'ai des calculs. » Et alors, il montre une chose, c'est que dans certaines conditions, précisément quand le nombre de Reynolds magnétique est plus grand que le nombre de Reynolds du plasma, eh bien, à ce moment-là, il y a des instabilités qui se produisent qui font des petits grumeaux d'un milliard d'ions. Et alors ça, c'est une des sondes ici beaucoup plus importantes que les ions isolés. Alors il y a un effet Joule anormal. Donc c'est autrement dit, c'est bien l'effet Joule, et on a une résistance anormale du plasma, et en plus elle est proportionnelle à l'intensité. Simplement, il y a plusieurs choses. C'est que si vous avez un temps de décharge qui est trop grand, qui est supérieur à 200 nanosecondes, vous êtes en jeu. Et en France, on a une Z-machine, mais elle a 800 nanosecondes de temps. Donc ça marche pas. hors jeu. Ensuite, si vous jouez avec moins de 2,5 millions d'ampères, c'est pas la peine non plus. Donc il faut vraiment avoir des millions d'ampères, un peu comme au poker, quoi, vraiment. Hein. Et effectivement, Malcolm Heinz montre que cette instabilité, cette résistance anormale, se manifeste quand l'intensité dépasse un certain seuil, quoi. Il y a des conditions là-dedans. Alors c'est extraordinaire parce que lorsque dans un tokamak, on essaye de monter les choses, d'augmenter, etc., là on a des ennuis parce qu'il y a des instabilités. Mais là, lorsqu'on essaye d'augmenter la densité, au contraire, il y a des instabilités et tant mieux, ça augmente la température. Donc on est dans une situation étonnante où le milieu est instable, mais plus c'est instable, mieux ça vaut, quoi. Donc, on fait 50. Un jour, on vous dira, oh ben, on a fait 150 milliards de degrés. Enfin, ce sont des chiffres qui n'ont plus aucun sens, quoi. Mais c'est une nouvelle physique, quoi. C'est tout. C'est une nouvelle physique, et une nouvelle physique pour des tas de raisons. Il y a des choses. Par exemple, quand on voit
des recteurs de facultés des sciences qui nous disent est-ce que vous auriez des sujets de thèse? Nous n'avons pas de sujets de thèse pour des étudiants. Ils quittent la physique, ils foutent le camp, j'ai plus rien à faire. Bon sang, mais ces trucs-là, c'est le Far West complet. Alors, rendez-vous compte, quand vous avez ces forces de la place qui s'exercent sur les tiges, elles se précipitent les unes contre les autres à 600 km par seconde. Et donc, il y a 1,5 de MV2. Mais les électrons et les ions, ils sont inséparables. Donc, ils tournent à la même vitesse. Ils arrivent chacun avec leur énergie cinétique. Et chacun fait 1,5 de MV2 égale 3,5 de KT. Mais les électrons, ils pèsent rien du tout par rapport aux ions. Donc, on a un milieu étonnant dans lequel la température des ions est, en tout cas dans la Z-machine américaine de 2005, 100 fois supérieure à celle des électrons. C'est l'inverse. Quand vous prenez un tube au néon, la température des électrons, c'est 10 000 fois la température des ions. Là, c'est situation inverse. Et ça, ça a des tas de conséquences. Par exemple, quand on voulait faire la fusion bore-hydrogène, eh bien, si vous allez voir anneutronic fusion dans Wikipédia, hein, en anglais, ce sera là que sera le plus documenté. Vous verrez cette fusion anneutronique avec le bore hydrogène. Simplement, on dit à un moment, ce qui est embêtant, c'est que à cette température, les pertes radiatives sont supérieures à l'énergie obtenue par fusion. Alors c'est embêtant, comment on va faire pour obtenir de l'énergie puisqu'on en perd plus qu'on en crée? Ben oui, mais l'énergie, les pertes d'énergie, elles sont liées aux électrons. Et comme la température est plus basse, eh bien à ce moment-là, ça change la donne. Donc vous voyez, là-dedans, il y a un Far West fantastique. En plus, ça vaut le centième d'ITER. Je veux dire que si un responsable scientifique de n'importe quel pays, et par exemple éventuellement la France, me disait qu'est-ce qu'on devrait faire, mais mettez des sous là-dedans dans une pile. En plus, c'est pas des milliards, c'est des millions d'euros là-dedans. On peut construire une machine de genre. Alors évidemment, des gens diraient, mais on en a déjà une. Non, non, c'est une bicyclette, c'est pas possible. En plus, les gens qui sont autour, ils n'ont pas vraiment compris. Lorsqu'il y avait la réunion de Biarritz, qui était sur les aides-machines, les Français n'ont pas parlé. Parce qu'ils sont, hélas, en jeu. Quoi. Vous savez, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, moi, je disais récemment dans une conférence, je conjecture que cette formule de fusion non seulement débouchera sur une fusion qui ne donne pas de neutrons, mais en plus elle marchera avant que ITER soit terminé. C'est formidable quand même. Bon, ça c'est le mot de la fin.